گروپی که فعلا در افغانستان به نام طالبان قرار دارند یا دارای افکار و دارای نظریات به خصوص از اسلام هستند. من میخوایم که از این طریق بگویم که تنها هدف از این گروپ ها افغانستان نه، بلکه اهداف از وا قدم اول افغانستان است، بعد خارج از افغانستان. 20 ans après son assassinat par Al-Qaïda, les mises en garde d'Ahmad Shah Massoud sonnent comme une évidence. Les talibans ont de nouveau repris le pouvoir en Afghanistan et règnent en maître sur le pays. Pour Nicolas Jallot, qui présente son documentaire Massoud l'héritage à l'occasion du Festival international du film d'histoire de Pessac, le pays connaît des heures plus sombres encore que sous l'ère Massoud. Ce qui s'est passé le 15 août 2021 est absolument dramatique. Moi, je dis qu'il y aura un avant et un après 15 août 2021. Parce que les Américains et les Occidentaux, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, surtout les Américains, ils ont donné carte blanche au terrorisme. Aujourd'hui, les talibans ont repris le pouvoir sans grande opposition. Un espoir persiste et celui qui l'incarne le mieux était âgé de 12 ans lorsque Massoud a été tué. Il s'est ensuite exilé en Europe avant de revenir dans son pays d'origine avec des ambitions politiques dans la lignée du commandant Massoud. Cet espoir, c'est Ahmad Massoud, son fils. Le seul et unique qui résiste aux talibans et contre le terrorisme international et l'État islamique. Il faut soutenir Ahmad Massoud. La question n'est pas de savoir s'il a les épaules ou pas, c'est le seul. Moi, je demande à des amis afghans, dites-moi qui pourrait prendre, au cas où, la tête de la résistance aux talibans, à l'État islamique, etc. Et ils me disent, il y a juste Ahmad Massoud. I hope and I pray for God to help me to be able to do something good for my country and to resurrect his legacy as a resistance. Malgré ses ambitions et ses envies de faire aussi bien que son père, Ahmed se heurte dans sa bataille contre les talibans à un obstacle de taille. La grande différence, c'est que Massoud était un militaire. Il a forgé sa réputation sur le champ de bataille en multipliant les victoires. Ahmed est plus dans la politique et surtout, il a grandi en Europe. Difficile pour les différentes tribus afghanes de placer tous leurs espoirs sur lui, juste pour son nom. Quand son père est décédé, qu'il a vécu en exil, en Iran, en Suisse, en Angleterre, où il a fait ses études, donc c'est un... Excusez-moi l'expression, c'est un occidental, entre guillemets. Donc il est comme vous, il est étudiant, il est fort sympathique, c'est quelqu'un, mais c'est quelqu'un de complètement européen et occidental. Donc sa vision des choses est plutôt assez proche de la nôtre, mais est différente de la culture qui règne dans son pays. Alors si Ahmed n'est pas la personne destinée à sauver l'Afghanistan, qui peut le faire? Pourquoi pas les femmes, celles qui depuis 20 ans ont peu à peu acquis des droits, ont vu en quelques heures les nouveaux maîtres du pays réduire à néant les progrès effectués. Nicolas Jallot émet l'hypothèse que ce sont elles qui pourraient incarner la résistance. Je pense que l'avenir de l'Afghanistan, c'est la femme. Au risque du paradoxe, les femmes, c'est les seules qui peuvent sauver le pays. C'est elles qui résistent, c'est elles qui doivent reprendre les choses en main, parce qu'elles seront tout un symbole, elles apporteront la paix et tout ça. Comme à l'époque du commandant Massoud, la résistance seule ne peut venir à bout des talibans. Alors que le pays entre dans l'une des pires crises alimentaires de son histoire, Ahmed Massoud continue de demander l'aide de la communauté internationale afin de retrouver la liberté pour laquelle son père s'est tant battu.